Écoutez attentivement les... Le New York Mercury, infailliblement. Monsieur, s'il vous plaît, venez m'aider. Dieu soit loué, j'étais en train de moissonner quand ces diables rouges m'ont attaqué. Je veux juste vendre ma récolte en ville. Et comme j'ai résisté, ils sont allés chercher des renforts. Il faut que je termine ma récolte et je ne peux pas les repousser seul.
manger. Ces denrées seront vite vendues à un prix honnête. Ces hommes font main basse sur tout et les prix grimpent en flèche. C'est injuste. Que me fiche de savoir où tu me trouveras. Oh, bonjour. Chérie, emmène les enfants et pars te cacher. Ça a mal tourné, mais je vous remercie quand même. Je dormirai tranquille en sachant que cet extorqueur ne reviendra pas menacer ma famille. Pourriez-vous nous donner de quoi manger? Ces deux-là nous poursuivent et nous battent tout le temps. Si vous les chassiez, on pourrait prendre de quoi se remplir le ventre pour une nuit. Ils sont encore trop près. Emmenez-les plus loin. Je peux vous dire un mot? Je m'appelle Dobby Carter. J'ai vu que vous vous intéressiez à ce qui se passe dans le quartier. Je me suis dit qu'on pourrait se rendre service, vous et moi. Que se passe-t-il ici? Depuis le début de la guerre, les marchands ont augmenté les prix pour le bien de la cause. En fait, ce sont des accapareurs. Il est grand temps que les gens d'ici se remuent. Que puis-je faire? Vous acceptez? Eh bien, quelle générosité! Installez ça près d'ici. Ce n'est qu'une partie de mon plan. Venez me voir quand ce sera fait.
pourriez nous donner de quoi manger? Ces deux-là nous poursuivent et nous battent tout le temps. Si vous les chassiez, on pourrait prendre de quoi se remplir le ventre pour une nuit. T'as un problème, toi? Mal tourné, mais je vous remercie quand même. Je dormirai tranquille en sachant que cet extorqueur ne reviendra pas menacer ma famille. Les marchands continuent à profiter des habitants. On se reverra plus tard. Thank you.
Que me dis-je de ça? Chérie, emmène les enfants et va te cacher. Ça a mal tourné, mais je vous remercie quand même. Je dormirai tranquille en sachant que cet extorqueur ne reviendra pas à merci. Sera considéré. Oh, ouais. Vous pourriez nous donner de quoi manger. Et ils nous battent parce qu'on mendie. Dites. Trier-les un moment, qu'on puisse prendre ce qu'il nous faut. Pourriez-vous nous donner de quoi manger? Ces deux-là nous poursuivent. Suivez nous battre tout le temps. Si vous les chassiez, on pourrait prendre de quoi se remplir le ventre pour une nuit. Vous l'aurez cherché.
quoi manger. Ces deux-là nous poursuivent et nous battent tout le temps. Si vous les chassiez, on pourrait prendre de quoi se remplir le ventre pour une nuit. Trop de gens peuvent nous voir. Oh non, pas de ça! Nous parlions des conséquences de vos actes. Il semblerait que ces militaires vous recherchent. J'ai attiré leur attention. Cela ne nous facilite pas la tâche. L'homme que nous cherchons a préféré se terrer et s'entourer de soldats. Alors nous irons le débusquer. Impossible. Même pour un homme ayant tes talents. Mais j'ai une autre idée, plus originale. Tu seras notre prisonnier et nous irons réclamer la prime pour ta tête.
Et lui? Il a pas l'air bien dangereux. Peu importe maintenant. Sécurité. Le commandant va s'occuper de lui. J'aimerais bien voir ça. De sa majesté et comploter contre les autorités militaires. Un mépris aussi flagrant des lois mises en place pour protéger les citoyens de New York, punis par la mort. Nous ne cherchons pas à vous régenter ou à vous opprimer. Nous voulons simplement... Bonne chance. Je voyais plus loin que ce qui arrive aux rebelles dans ce quartier de New York. Ces hommes ont violé une couvre-feu. Il a pas l'air bien dangereux. Peu importe maintenant. Le commandant va s'occuper de lui. Ils ont attaqué des soldats de sa majesté et comploté contre les autorités militaires. Un mépris aussi flagrant des lois mises en place pour protéger les citoyens de New York et punis par la mort. Nous ne cherchons pas à vous régenter. Cet homme, il pensait que ce qu'il faisait était juste. En effet, tout comme ses frères. Qui était-il réellement? Il existe de puissantes organisations qui cherchent le pouvoir. Il appartenait à l'une d'elles. Ça ne me surprend pas.
J'ignore qui vous êtes. Mais si vous avez besoin de mon aide, je serai heureux de vous l'offrir. Chez vous, alors que vous devez sortir, demandez à Charles Manoël. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait ?
Encore un. Essaie de me mettre à terre. Tu n'iras pas loin tant que je serai debout. Tu n'iras pas loin tant que je serai debout. De me mettre à terre. Essaie de me mettre à terre. Essaie de me mettre à terre. Tu n'iras pas loin tant que je serai debout. Essaie de me mettre à terre. Tu n'iras pas loin tant que je serai debout. Bien joué!
Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Déplacez-vous confortablement. Les meilleurs traîneaux...